Bonjour, alors je vous souhaite une très très belle année 2024. Je voudrais parler de ces personnes qui sont en contrainte émotionnelle, c'est-à-dire qui gardent le contrôle sur leurs émotions, qui n'arrivent pas pour des raisons X et Y, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à faire émergence des émotions. Les émotions sont bloquées petit pour des raisons très simples, c'est que si on n'a pas quelqu'un pour accueillir l'émotion, l'émotion ne trouve pas sa place. Dans ces cas-là, c'est évidemment le côté rationnel, mental qui prend le dessus. Est-ce que le QI dépend de cette émotion? Pas du tout, je ne pense pas. Mais c'est pas ça mon travail, ce que j'ai développé moi dans mon travail, c'était surtout de comprendre pourquoi c'était tellement difficile pour des personnes de laisser passer leurs émotions. En fait, quand vous ressentez, la vie devient magique. Alors l'inconvénient de ressentir et l'inconvénient de réfléchir. C'est pas réfléchir, c'est mentaliser, c'est rationaliser. L'inconvénient de rationaliser, c'est surtout d'éviter de ressentir. Or, quand vous allez quelque part et que vous commencez à ressentir, ça devient compliqué. Parce que si vous ressentez un mal-être, si vous ressentez que le décor ne vous convient pas, si vous ressentez que les personnes avec qui vous êtes, ça vous insupporte, alors par expérience, par vécu, vous n'avez pas pu échanger sur ce qui s'appelle l'émotion et vous avez bloqué vos émotions. De ce fait, vous avez compris, à juste ou à tort, je pense à tort, mais bon, c'est comme ça, c'est sans aucun jugement de ma part, que si on bloque les émotions, alors on devient hyper autonome. L'autonomie vient justement de ne pas ressentir toutes les 3 minutes et de dépendre de ses émotions. Comme je l'ai dit dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle ce que j'ai là, oui, qui s'appelle, il faut vraiment le lire si vous êtes HP, hein, qui s'appelle par deux. Ah oui, vous allez le voir à l'envers en plus. Ah oui, alors c'est très chiant. Ah oui, parce que le truc est à l'envers. Bon, ça s'appelle Par-delà l'excellence. Par-delà l'excellence. J'ai écrit ce livre où j'explique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on bloque les émotions. Quand on va quelque part et qu'on a bloqué les émotions, alors si on choisit un hôtel, on va prendre l'exemple de vacances, on choisit un hôtel, on va le choisir avec le mental, on va le choisir, voilà, oh le prix est intéressant, donc nous pouvons partir, je veux dire au Maroc, voilà, on va partir au Maroc, chez Barrière, ils ont une super promo, on va partir là-bas, on va être bien et tout, voilà. Ou bien on va aller traverser le désert avec une équipe de randonnée, ça va être génial. On est dans du mental. De ce fait, on est hyper autonome, on ne dépend absolument pas des émotions. Premier point. Maintenant, on prend le même voyage avec quelqu'un qui fonctionne avec ses émotions. Oh là là, bah chez Barrière, mais non, c'est trop cher, c'est pas peine de dépenser cet argent. Vous voyez, il y a tout le ressenti, toute la machine du ressenti qui se met. Oui, mais les chambres sont quand même sympas, on pourrait peut-être être bien et tout. Mais c'est une projection qui est presque inaccessible. Pourquoi? Parce que celui qui fonctionne en mode émotionnel va fonctionner en mode ressenti. Or, c'est bien le principe de la pub de vous faire ressentir ce que l'on va vous vendre et ce que vous allez payer. Mais c'est extrêmement difficile. Maintenant, quelqu'un qui ressent tout le temps. Oh là là, il fait froid. Oh là là, j'ai trop chaud. Oh là là, mais pourquoi il n'y a pas de soleil? Oh là là, mais pourquoi elle arrive en retard? Oh là là, mais oh, t'as vu, mes pieds sont sales. Oh, t'as vu, il y a de la boue. Mais pourquoi la voiture, elle ne monte pas? Il y a trop de gadou. Ah, oh, mais c'est tard, il faudra le couper parce que franchement, il fait de l'ombre. Ah, oh, mais la déco, là, c'est un peu blanc. Non, c'est un peu sali. Ouais, vous voyez, c'est ça l'émotion. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, mais c'est la vie. C'est la vie que le blanc se noircisse avec la cheminée. C'est la vie que l'arbre qui a trop poussé et qui empêche le soleil, on va devoir le couper, même si ça va lui faire mal. Mais la vie, c'est le ressenti. Maintenant, la personne qui s'oblige à réfréner ses émotions, j'ai envie de dire, mais à quel âge elle va vivre? Regardez l'enfant. Vous voyez bien que les enfants sont heureux. Enfin, quand ils ont le contexte, bon, on ne parle pas des cas particuliers. Hein. D'un ensemble, de ce qui devrait être un ensemble. Voyez bien que l'enfant est heureux. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est que dans l'émotion. L'enfant, il ne réfléchit pas, il tombe, il voulait aller là, prof, il n'a pas vu que c'était une toute petite flaque d'eau, il a cru que c'était prof, il est tombé dedans. Vous voyez des conneries comme ça, mais parce qu'il a ressenti. Mais c'est pas une connerie ce que je dis, parce qu'en fait, s'il y a 1 cm d'eau ou bien une profondeur d'un mètre, on, ça ne se voit pas, il y a toujours le même reflet de l'eau. Donc on peut se jeter dedans parce qu'on a ressenti qu'on avait envie d'y aller, paf, on s'est cogné. Si on a réfléchi, on a réfléchi, bon, ça devient très compliqué. On perd son autonomie. Voilà, c'est ce que disait quelqu'un quand j'ai fait l'interview pour Sandrine Alves. Voilà. Il disait que c'est vrai que la liberté, c'est l'émotion. C'est l'émotion et le ressenti. L'émotion, c'est le ressenti. Je ressens, j'existe. Je ne ressens pas, je n'existe pas.
je suis un robot. Mais au-delà de ça, évidemment que les personnes qui sont dans le ressenti, on doit les accompagner pour apprendre à utiliser leurs émotions. Parce que plus vous les utilisez, moins elles ont une emprise sur vous. C'est quoi l'emprise sur vous ? C'est, ça fait peur, on ressent tout. Au bout d'un moment, c'est terrifiant. On rentre dans des connexions, on voit une personne, on a l'impression de ressentir et d'entendre ce qu'elle dit, alors que c'est du ressenti, vous comprenez, c'est parfois embarrassant. Mais en même temps, c'est la vie. Donc si on apprend, non pas à gérer ses émotions, mais à les utiliser, et c'est un stock, les utiliser pour de la créativité, et tout est créatif dans ce monde. Moi, je regardais les inondations, comment faire des choses et tout pour enlever l'eau, pour assainir les terrains, même s'ils n'auraient pas dû construire sur un terrain comme ça. Oui, c'est ça le surdoué. Alors après, bien sûr que réfléchir, mentaliser et réfléchir sont deux choses différentes. Mentaliser, c'est utiliser notre QI pour arriver à des fins, et ressentir, c'est utiliser l'intelligence intuitive pour construire. Ce sont deux chemins différents. L'un va mener vers des choses beaucoup plus vastes et réalisables, que si on mentalise et qu'on doit refaire 10 fois les calculs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et que les personnes qui sont avec les émotions, ça a été le travail de moi toute une vie, parce que comme je l'ai dit, je ne savais pas parler, je savais gueuler, parce que voilà, comme un chien aboyé, on va dire, mais je ne savais pas parler, donc à un moment, il a fallu mettre des mots sur cette émotion qui m'envahissait entièrement, tout entière, et je vivais que de vibrations et d'émotions. Donc je devais fermer ma bouche, voilà, on va dire franchement, et prendre des médocs, voilà. Donc à un moment, si on doit prendre des médocs juste parce qu'on est des émotionnels et qu'on a besoin, alors il faut savoir comment utiliser ces émotions pour qu'elles n'aient pas le dessus sur vous, et que vous puissiez les manipuler. Enfin ça, c'est un peu, faut déjà être un grand artiste, hein. Donc voilà, c'est ça. Donc vous, les personnes qui fonctionnez en mode mental, les gros QI, qui sont absolument pas dérangées par les paramètres extérieurs, etc., à un moment, on peut pas tricher. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo, comment je l'ai appelé déjà, imposteur ou quoi ? Comment est-ce que j'ai dit ? Tricheur ou imposteur ? Voilà. Parce qu'en fait, les HPI se prennent pour des imposteurs, enfin tout l'HP se prend pour un imposteur. Alors imposteur ou tricheur, voilà. Donc est-ce que être un surdoué qui cache ses émotions est un tricheur ? Et est-ce qu'une surdouée qui est dans l'émotionnel est un imposteur ? Enfin oui, c'est un peu le bordel. Donc quoi qu'il en soit, la liberté, c'est ressentir. Maintenant, apprendre à mettre des mots sur ce que vous ressentez, oui, je vous confirme, c'est extrêmement difficile. C'est le travail que va chercher, par exemple, un HPI dans un bureau de psy, où on va le mentaliser encore plus et lui expliquer et lui exprimer au lieu de le laisser ressentir. Voilà, tout le problème, c'est là. Je ne vais pas tout dévoiler parce que je n'arrête pas d'être copié. En même temps, on ne copie que les grands. Copier, jamais égalé, comme dirait l'autre. Non, moi, je suis copié et j'aimerais bien être égalé. Ouais, régalé. Bon, voilà, je vous embrasse, je vais arrêter de dire des conneries. Sachez que j'ai quand même adoré les psys de l'époque, on va dire, et que j'ai écrit un livre qui s'appelle, vous pouvez pas voir le titre, hein, Vos gueules les psys. Voilà, vous trouverez pour vous qui veulent rentrer dans les émotions un petit bonbon qui s'appelle, alors comment on peut faire pour le montrer à l'endroit, c'est compliqué, hein, ouais, si je retourne, ça ne sera pas l'endroit. Ça s'appelle Le secret du surdoué, voilà. Et alors surtout un livre, alors voilà, parce que c'est un peu d'actualité aujourd'hui sur le schéma familial, du berceau à la névrose, c'est un livre qui a été tout de suite mis à la bibliothèque, de l'université de Jussieu, l'université de psychologie. Voilà, donc voilà. Et c'est le schéma familial, ça s'appelle du berceau à la névrose, parce que vous ne voyez pas, hein. C'est un peu bête. Bon voilà, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, utilisez vos émotions, faites de la créativité. On a des accompagnants, on a des guides, des personnes qui vont vous guider. Je travaille avec Charlotte Huillet, je peux vous donner ses coordonnées, vous la trouvez aussi sur Facebook, Charlotte Huillet, H-U-I-2-L-E-T, et Benjamin Baruc, B-A-R-U-K, qui est quelqu'un qui accompagne justement sur les émotions, sur le principe de soumission, sur le management. Voilà. Et puis il y a Raymond Dazan, oui, je suis aussi psychanalyste, vous avez oublié ça. Je vous accompagne très rapidement, moi c'est une séance, comment on fonctionne et tout, et après, si vous avez besoin d'un suivi, ben, c'est Charlotte ou Benjamin Baruc. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite et bonne année.